Alors avant de commencer ma vidéo, tu peux me mettre là en commentaire quelle est la meilleure variété d'aubergines pour toi. Alors moi j'hésite entre celle-là de Barbantane que j'ai trouvée chez Graine Bokeh ou alors peut-être la ronde blanche. Bon, ça se discute. Alors je te laisse me mettre là juste en dessous dans les commentaires quelle est ta meilleure variété. Tu pourras également faire un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et également me découvrir sur tous les réseaux sociaux. Alors à toi de jouer avant de commencer la vidéo. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture de l'aubergine. Tu verras, c'est une culture assez facile, c'est pas la plus simple comparée à plein d'autres, hein. Je pense au cucurbita ou alors à la tomate. Ça demande un peu plus de temps, ça demande un petit peu de préparation au niveau de sa caissette de semis. C'est d'ailleurs pourquoi je te fais la vidéo, pour te montrer comment préparer sa caissette de semis pour avoir plein d'aubergines. Il faut savoir que la culture est assez longue, il faut compter 4 à 5 mois pour avoir les premiers fruits. Mais je t'explique tout ça dans ma vidéo pour en avoir toute la saison. Alors c'est parti. Alors bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une aubergine, c'est l'aubergine violette de Barbantane. Tu peux d'ailleurs les retrouver là dans le lien de ma description chez les Graine Bokeh, tu verras ça déchire. Donc cette aubergine fait partie de la famille des solanacées, une famille assez complexe avec notamment la tomate, on va retrouver le piment, le poivron, enfin bref, toutes des cultures dites chaudes et donc il va falloir préparer ça bien à l'avance pour avoir les aubergines forcément à l'été. Je te l'ai dit tout à l'heure dans mon intro de vidéo, il faut compter 5 mois pour avoir des aubergines depuis le semis. Le semis va s'effectuer à partir de janvier jusqu'à aller quasiment mars en fonction de où tu te situes et ensuite tu vas pouvoir les mettre à l'extérieur quand il fera chaud, c'est-à-dire après les seins de glace ou alors sous serre. Allez, quasiment à la mi-avril si tu es sûr de ne plus avoir de gelée. Ou alors il va falloir mettre des protections dans ta serre. Concernant le semis, il y a tout le matériel derrière moi. Alors je te montre ça, tu verras, c'est assez simple. Alors pour le matériel c'est simple, tu vas commencer par choisir tes semences. Donc là on a notre partenaire les Graine Bokeh qui nous a fourni les violettes de Barbantane, c'est une variété que je connais très bien, qui donne super bien, qui est très précoce, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir besoin d'une réglette, ça va servir pour la caissette de semis. On va avoir besoin d'un tamis, on va avoir besoin d'une batte pour aplatir et tasser un peu notre terreau. Et enfin, on va avoir besoin d'une caissette de semis qui va accueillir toutes nos graines. Dans mon cas, on va faire un semis en ligne. On va préparer notre caissette de semis et on va disposer les graines en ligne tous les centimètres, voire tous les 2 cm, en fonction de la quantité que tu veux. Personnellement, je vais en faire pour moi, ce qui est logique. Et ensuite, je vais en faire qui seront destinés à la vente et qui seront destinés aux voisins ou alors aux copains qui viennent et qui veulent des nouvelles variétés. Concernant le substrat, le terreau, cette année, je suis parti sur un terreau uniquement à base de coco pour mes semis. Pourquoi ? Parce que les graines et les plantules n'ont pas besoin de minéraux au stade de la germination, au stade de la levée. Juste après le premier repiquage et l'empotage, forcément, on va changer de terreau pour choisir un terreau qui sera plus riche, toujours de ses sels max. Alors personnellement, j'aime bien celui avec la perlite parce que l'aubergine, voilà, elle aime bien l'eau, mais elle aime bien aussi avoir des espaces poreux suffisants, c'est-à-dire des espaces d'air pour pouvoir se développer. Pour la culture de l'aubergine, il faut retenir 2 choses. Il faut retenir chaleur et luminosité, tout ce qu'on n'a pas forcément en période hivernale. Donc tu vas devoir la mettre, si tu la mets à un coin de fenêtre, le plus ensoleillé possible. Et au niveau de la température, tu vas essayer de conserver à un endroit où c'est le plus chaud, entre 20 et 22 degrés. Attention, si tu mets trop chaud, ça risque de s'étioler, c'est-à-dire elle va filer, elle va grandir de manière anormale. Et forcément, au cas inverse, tu risques d'avoir des maladies fongiques, comme la fonte des semis, ou alors une non-levée au niveau de ta germination. Allez, c'est parti, on attaque le remplissage de ma caissette de semis. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout seul en plus. Concernant la mise en place du terreau dans sa caissette de semis, première chose, tu vérifies qu'elle est bien trouée pour laisser drainer l'eau. Ça, c'est important, j'en ai parlé et j'en parle souvent dans toutes mes vidéos. Ensuite, on va commencer par mettre la partie grossière à l'aide du tamis. Donc, c'est cette partie qu'on va récupérer à l'intérieur.
On mettra du tout venant, c'est-à-dire ce qu'il vient du terreau pour le mettre, enfin du sac pour le mettre dans ma caissette de semis. Et enfin, on viendra recouvrir avec la partie la plus fine. Ça uniquement pour but d'avoir le meilleur contact, d'avoir justement la meilleure germination possible. Et enfin, par la suite, étant donné qu'on va avoir des gros espaces poreux, on va avoir un système racinaire qui va être de plus en plus riche. Allez, c'est parti. Donc ça, on met ça de côté. Au tamisage. Voilà, on voit bien la différence. Là, ici, on a les grosses matières fibreuses. Et là, on a le résultat du tamisage. On met ça de côté parce que ça nous sert à la fin. Ensuite, prochaine opération, on vide cette partie-là dans le fond. On régule bien pour qu'il y en ait partout. On casse les grosses mottes. Et le tour est joué pour la première partie grossière. Ensuite, une fois que j'ai mis ma partie grossière dans ma caissette de semis, on va prendre ce qui vient là, le tout venant, c'est-à-dire des mélanges de grosses matières avec des petites. En gros, c'est du plus petit au plus grand. Enfin, du plus gros au plus petit plutôt. On en met les trois quarts de la caissette de semis. De toute façon, après, on vient tasser. Voilà. On égalise bien pour avoir partout la même chose. Et enfin, on applique avec du substrat tamisé sur le dessus. Je pense que j'en ai peut-être pas fait assez. C'est pas grave, je referai un petit peu au-dessus. Hop, on fait voir un petit peu, on prend la réglette et on vient appliquer sur l'intégralité de ma caissette de semis. Il en manque un petit peu. Et voilà, le tour est joué, ma caissette de semis, elle est prête. On va pouvoir maintenant tasser avec ma batte. On enlève le surplus sur les côtés et le résultat, ça donne ça. Tassement, vous faites quasiment un petit centimètre. Maintenant, on va placer les lignes pour disposer les semences. Disposition des graines à l'intérieur de ma caissette de semis, je pense que je vais faire trois lignes, dans mon cas, avec les graines d'aubergine. Donc, l'ouverture du sachet se fait tout le temps par le dessus. On essaye de conserver la variété si vous ne savez pas les identifier. On ouvre bien le sachet. Les graines d'aubergine sont assez grosses, donc c'est assez pratique. Voilà. Ça ressemble à une graine légèrement arrondie qui fait 3 à 4 mm de diamètre sur quasiment 1 à 2 mm d'épaisseur. Donc, première chose à faire, on fait les lignes. Et ensuite, il faut disposer les semences dans la plaque, donc tous les 2 cm. On remet le surplus à l'intérieur. Et ensuite, on vient redispatcher si on a des petites graines qui sont trop serrées. Opération réussie, il m'en reste juste une là à faire. Donc vous doutez bien, là les graines sont à l'air libre, donc on va devoir les recouvrir avec du substrat tamisé pour continuer le contact graines et terreau. Alors c'est parti. On dispose le tamis au-dessus. On prend le terreau et on vient recouvrir. On recouvre quasiment, allez, de 3 à 5 mm. Comme ça, la graine, elle est à 1 cm de profondeur dans notre caissette de semis. On vient rebattre un peu et le tour est presque joué. Dernière chose à faire, je vais devoir arroser. Premier arrosage, on fait un arrosage copieux mais pas trempé. Ensuite, on met l'étiquette. Donc là, ici, c'est la violette de Barbantane. On n'oublie pas aussi de replier le sachet, de le rentrer, de le mettre à un endroit sec, un endroit à l'abri de la lumière et si possible, à température ambiante. Concernant les entretiens maintenant, donc là, on va attendre. Il faut compter 12 jours à peu près, à 14 jours
pour voir les premiers germes, pour voir l'apparition de notre début d'aubergine. Quelques semaines plus tard, au stade, allez, première feuille ou deuxième feuille vraie, c'est-à-dire post-cotylédon, on va devoir récupérer chaque plantule et les individualiser. Je te conseille de les mettre soit dans un godet de 8, voire 7, de faire un premier repiquage et ensuite d'effectuer un empotage, allez, quasiment 2 mois après le semis. On est toujours au chaud, on est toujours dans un endroit bien exposé à la lumière, si possible plein sud, pour par la suite la planter dans son jardin. Si tu es hors gel quasiment en avril, tu pourras la mettre dans ta serre, ou alors tu effectues un deuxième rempotage pour pouvoir la placer dans ta serre au mois de mai. La culture d'aubergine, au final, c'est assez simple, au moins le semis. Après, on verra justement l'évolution. Je te montrerai dans quelques semaines les étapes de repiquage et tout ce qui s'ensuit avec les tomates, avec le poivron, avec les aubergines. Là, ça va être à toi de jouer. N'oublie pas, tu peux me découvrir sur Facebook, Instagram et TikTok. Je te donne tout plein de tips, tout plein d'astuces pour découvrir les différentes cultures. Donc là, en ce moment, on est sur les récoltes de mâches, on est sur les cultures des épinards, on est sur culture de l'ail, de l'oignon, enfin bref, de tous les légumes. C'est à toi de découvrir ça sur ma chaîne en tapant The Prof d'Ortie. C'est parti !